Das französische Werk von International Paper in Saïla ist weltweiter Branchenführer bei der Produktion umweltfreundlicher Energie und geringen Emissionen. Es deckt 85% seines Energiebedarfs durch die Verbrennung von Rinde und Resten der Zellstoffproduktion. Das Holz stammt aus einem Umkreis von höchstens 150 Kilometern. Insgesamt wurde der Ausstoß von Treibhausgasen seit 1990 78% gesenkt. Le bois que nous recevons à l'usine donc se compose de rondin d'une part et de produits connexes de scierie. Avant de fabriquer la pâte à papier, nous sommes obligés de séparer les écorces du bois. Ces écorces sont ensuite récupérées pour être brûlées dans une chaudière. Elles représentent environ 15% de la production d'énergie de l'usine. Les 85% d'énergie restant provenant de la liqueur noire, qui est un résidu de la cuisson du bois pour fabriquer la pâte à papier. Das Werk Saïla liegt mitten in einer land- und forstwirtschaftlich geprägten Region. Jedes Jahr werden 9000 Tonnen Asche aus dem Staubfiltersystem als kostenloser Dünger an 89 örtliche Bauern verschenkt. Eh bien, ce partenariat avec le papetier International Paper est tombé à point nommé pour le monde agricole limousin, puisque dans cette région, les sous-sols sont globalement très acides. La CAO contenue en quantité dans les cendres a permis de redresser le pH de nos sols et de les rendre beaucoup plus vivants, beaucoup plus réceptifs à la fertilisation et donc d'avoir des rendements notamment dans les prairies, on a une flore beaucoup plus riche.